Good morgen, Aleiden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, François Vajib Ben Khanal, Janine Ruth, Bad Fortune, Ben Zal, Ritna, Claude, Shlomo, Ben Shalom, et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Péa, Perek Vav, Mishnah Bet, Aromer, Shou Samouch, la Gafa et la Gadish, la Bakar et la Kelim, Ushchacho, Bet Shamayomrim, Eno Shichecha, Bet Elonrim, Shichecha. Je traduis directement la Mishnah, il y a deux interprétations. Je vais directement passer sur la deuxième rapportée dans le Barthénois, qui est selon l'Agma l'Hiroshalmi. À Omer, Shemusamouch, la Gafa et la Gadish. On parle ici d'un Omer, d'une gerbe de blé, mais qui est près de la barrière. La Gafa, c'est la barrière, comme il ne dit pas plus précisément. C'est un endroit où on a entassé les pierres, des pierres pour en faire une barrière. D'accord? Donc ça, c'est la Gafa et la Gadish. La Gadish, c'est, comme on a déjà dit, le tas de blé que... Et donc quoi? Ou encore la Bakar avec la Kélim, ou encore près des Bakar, du Bakar des bovins qu'il a pris pour transporter, pour déplacer la charrue ou peu importe, et la Kélim aussi à côté des ustensiles. Ou Shracho, et il les a oubliés. Soit, je reprends le cas maintenant plus simple, c'est très concrètement, il a réuni son blé pour le transporter. Et puis pendant qu'il a soulevé, il en a vu un, il en a laissé un qui était à côté d'un objet spécifique. Que cet objet spécifique, c'est sûr qu'il va venir le reprendre après. Et lorsqu'il va venir le reprendre, eh bien il va voir qu'il a oublié encore une gerbe. Est-ce que cette gerbe-là, c'est une chirkra parce qu'il l'a oublié? Parce qu'on dit non, depuis le premier instant, c'est évident que tu vas la retrouver juste après. Tu vas revenir la chercher finalement. Donc c'est pas encore une chirkra parce que tu prévois inconsciemment, en fond. Peu importe, tu prévois concrètement que tu vas revenir le chercher. D'accord? C'est la marloquette qui est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, cette fois-ci, me dit, Eno Shichecha. C'est pas considéré comme une Shichecha. Parce que, puisque même si matériellement, pour le moment aujourd'hui, tu sais pas que tu as laissé une gerbe au moment où tu as levé ton blé. Mais puisque c'est évident que tu vas revenir chercher l'objet, ou le bétail, ou tu vas revenir près de ta barrière, donc c'est sûr que quand tu vas revenir, tu vas le trouver par terre. Donc là, tu l'as laissé de manière à ce que ce n'est pas une vraie shichecha, en théorie. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Hillel me disent que c'est une vraie shichecha, parce que concrètement, sur le coup, tu l'as, au moment où tu lèves ton blé, celui-ci, tu l'as vraiment oublié. Et puisque c'est un oubli, donc ça prend statut de shichecha. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.